Bonjour ma petite sœur, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais comme ci, comme ça. J'ai pas mis de vidéo depuis quelques temps parce que j'ai eu des soucis personnels. Mais je suis là pour vous en parler un petit peu. Et en même temps, je vais vous montrer tous mes achats que j'ai achetés du mois de février. Quand même assez bien. Voilà, et en fait, mardi, du carnaval, le 25, j'ai perdu mon papy. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas été présent et que c'est pour ça que j'ai pas encore une super belle tête. Je suis fort blanche à la caméra. Mais voilà. Mais je suis quand même de retour parce que ça va me changer les idées un petit peu. Je suis désolée, ma tête et tout ça, tout est pas bien. Mais voilà, j'ai vraiment pas envie de faire quoi que ce soit pour le moment. Je suis fatiguée, je dors pas beaucoup les nuits. Et voilà, vous pouvez comprendre. Voilà. Du coup, on va commencer avec nos petits achats du mois. Du coup, je vais un petit peu. J'ai des figurines, j'ai des pop, j'ai des sacs, j'ai des petites peluches. Mais je pense que c'est tout. Voilà. Du coup, je vais dire un petit peu. J'ai fait la Comic-Con, j'ai fait deux meetings Disney et des pop que j'ai achetés chez Poképop et chez Topio. C'est Topio Game Game, un truc comme ça. Du coup, on va commencer tout de suite. Je me suis pris le petit Stitch comme ceci. Il est trop mignon. Hawaïen. Il est trop beau, Stitch hawaïen. Voici. Bon, je ne les défais pas tous. Mais que, parce que quand même, j'ai quand même quelques figurines à vous montrer. J'en ai une, deux, trois, quatre à retirer, à déballer. Du coup, je préfère faire ça à la place. Du coup, après, je voulais la mettre en dernière, mais non, c'est ma préférée. Mon petit mouchou de 10 pouces, et elle est trop, mais trop belle. Elle va aller là derrière, parce qu'en plus, vous n'avez pas encore vu, mais je me suis fait une petite étagère de livres par là. Il faut que je recule ma chaise, hop, juste par là, voilà. Voilà, ma petite étagère de livres. Et de toute façon, après, je vais tourner mes petits achats de livres aussi. Et du coup, je la mets là au-dessus. Comme ça, elle va me surveiller toute la nuit. Elle va surveiller sur moi. Et en plus, il a Cricket dans les mains. Il a Cricket. Je crois que c'est ça, c'est Cricket dans sa main. Je sais plus le nom. Ouais, c'est Cricket. Oh, ça me. Et en plus, je suis vraiment plus. J'ai pas les idées claires, on va dire. Si je me trompe, dites-le dans les commentaires. Regardez quelle est cette beauté, ce petit Cricket-là. Il est trop. Trop beau, mais il est trop beau ce mouchou. Oh, il est trop beau. C'est vrai que déballer, il vaut la peine de. Oh là 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 là. Et là, j'ai mis. Oh, je sais plus son nom. Oh, ça va me revenir. Ça va me revenir. Vous verrez ça après. Alors, après, on va continuer. J'ai le petit mouchou en. Enfin, en petite. Avec le gong, c'est la nouvelle pop, enfin les nouvelles, avec les nouveaux de Mulan que j'ai pas non plus. Il me manque les deux Mulan que je prendrai plus tard, mais là j'avais pas trop envie. Je voulais plus mes mouchons. Après, là, oh, je vais la vous montrer d'abord comme ça avant de la déballer. C'est celle-là que je voulais à la. En première, avant de prendre les autres, c'est Mulan et son cheval. Je sais plus comment il s'appelle. Mulan Rigon. Je sais plus le nom du cheval. Voilà. Quand elle. Je sais plus son nom aussi à son chéri. Quand il commence à savoir que c'est une fille et pas un garçon. Mais elle est trop belle. Regardez cette beauté. Cette beauté. Elles sont de plus en plus. Et celle-là, c'est une 8 pouces. 8 pouces. Elle est trop belle. Elle a. La tête, elle bouge un petit peu, regardez. Et en plus, elle a son épée juste ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, juste ici, l'épée. Hop là. Elle est trop belle. J'adore. Quand elle va. Pour sauver l'ampleur. L'ampleur. Quoi? L'empereur, ben oui. C'est mon chéri qui est à côté, il me dit en même temps. Elle est trop belle. Ouais.
la remets là. Après, on va continuer dans les pop. On a craqué pour la belle, le beau carrosse de Cendrillon. Il est trop beau, j'adore. Là aussi, il y a d'autres pop qui va avec. Je prendrai peut-être plus tard. De Cendrillon et la marraine de Cendrillon. Voilà, comme ça vous voyez le derrière. Celle-là, je ne l'ai pas encore ouverte du tout. Hop. Parce que je l'ai eu hier, celle-là. Je vais l'avoir plus tôt, mais il y a eu un petit souci. Ah, d'accord, ok. Oh, c'est mal foutu ça. J'espère qu'il n'est pas cassé. Ah d'accord, ok. Le cheval est dedans. Je vais pas le retirer. Je vous montre comme ça parce que le cheval est accroché dedans. Il a un machin là accroché à son ventre. Je n'avais pas vu ça. Du coup, voilà le carrosse. Trop beau. Du coup, je ne sais plus. Même celui-là, il est accroché dans le plastique. Voilà. Ils sont accrochés dans le plastique. Du coup, je vais pas les bouger pour le moment. Parce que je compte pas les déballer pour le moment. Hop. Hop. Ça, je vais quand même le mettre directement. Hop. J'ai plus de place. On va dire par là. Hop. Alors, ça c'est, je l'utilise tous les jours, c'est pour ça qu'il est plein. Mais je me suis acheté le sac fée clochette comme ceci, rouge, avec une bandelette assez longue. On peut régler là, la distance. Mais ici je l'utilise. Du coup, il est plein, il y a mes affaires dedans, mais il est trop beau et j'adore. Voilà. Après, ça c'est mon chéri. C'est moi, c'est pas moi ça, c'est plus mon chéri. Il a craqué pour un petit Pikachu avec un phare qui vient du Japon. Voilà l'étiquette, je vous le montre. Elle est trop beau. Et voyez, c'est tout écrit japonais. Voilà. Et alors, le plus... moi c'est celui que j'aime bien. Mais voilà, Pikachu. Tout coloré comme ceci, qui vient aussi du Japon. Pokémon sans Center JQB, je sais pas quoi là. Voilà l'étiquette. Ah, il est trop beau aussi. Trop beau, trop beau, trop beau. Voilà, ça c'est à planquer. Alors, je vais faire dans ce sac là d'abord. Alors, hier on a joué à la tombola et du coup on a gagné un bic avec Toy Story, enfin c'est Woody, c'est Buzz de plusieurs couleurs qui va aller là après, ça je montrerai après. On a eu aussi à la tombola un pèse avec Olaf, des bonbons, hop, je vais mettre là aussi, plus de place. Après on a eu une boîte joyeux anniversaire de Toy Story avec des bonbons dedans comme ceci et des bonbons juste là. Voilà, hop, on rangera après. Après on a eu une petite boule de Reine des Neiges. Bon, il faudra que je l'essuie parce que là elle était dans nos verres. Puis on a eu les verres qu'on n'a pas rendus. Voilà, je vais peut-être retirer, je vais les mettre à laver. Il y a un petit Olaf, je ne sais pas si vous allez bien voir. Un petit Olaf. Voilà, du meeting. Et on l'avait mis comme ça, du coup il est tout mouillé. Je vais devoir le laver. Je ferai ça après. Après, aussi, à la tombola, j'ai eu ceci. Voilà, je ne l'ai même pas encore ouvert. Parce que hier, je suis rentrée, j'ai tout laissé là. Et j'étais me... coucher. C'est des petites languettes de... voilà, certains en servent pour mettre dans son livre, d'autres pour autre chose.
Et je trouvais ça trop beau, j'aimais bien. Bon, je sais pas si je vais m'en servir là maintenant, mais je voulais, du coup je l'ai. Voilà. Bon, je le remettrai dans le plastique après parce que ça m'ennuie. Hop. Après. Mais ça, je dis merci à Mariette. J'espère que je dis bien le nom. Parce qu'elle a été à Primark et du coup, elle me l'a pris. Enfin, je lui ai demandé si elle voulait bien me le prendre et elle m'a dit oui. Du coup, je vais vous montrer. J'ai en train de le défaire parce qu'il est attaché de partout. De toute façon, il faut que je le lave avant. Et vraiment attaché de partout. Voilà. Je pense que quand j'irai à la mer en vacances, je vais l'utiliser. Je vais m'entrer plus haut parce que vous voyez là où Anna. Du coup, je pense que vous savez c'est qui. Hop, je monte. Et voilà mon monsieur Stitch. Hop là. Il est trop beau. Regardez ça, il est trop chou. Voilà mon essuie de Stitch. Trop beau. Après, je lui dis encore merci parce qu'elle m'a fait un petit cadeau. Enfin, deux petits cadeaux. Elle m'a pris. Enfin, elle avait des petits tigrous et elle a pensé à moi, comme j'aime bien. Voilà la tête de tigrou. Bon, je vais passer un petit peu à la machine. Parce que, comme elle a dit, ça fait un moment qu'elle les avait. Et du coup, voilà le petit deuxième. Je pense qu'il va aller sur mon bureau, celui-là. Comme ça, je penserai à elle. Après, j'ai craqué pour un petit portefeuille du Roi Lion. Il est trop mignon. Il y a une tirette. Là, on met de la monnaie. Et là, après, on a un petit pression. Et là, on met carte d'identité, quelques petits trucs, le billet juste là. Voilà. Après, bien sûr, comme j'ai le portefeuille, j'ai pris le petit sac à dos. Comme ceci, il est de partout des têtes de Simba. Voilà. Là, il y a une petite pochette juste ici. Il y a une petite pochette juste là. Je le trouve trop mignon. J'ai craqué dessus. Et j'ai bien fait parce que elle ne savait plus en commander. Du coup, j'en aurais plus su en avoir. Voilà. Voilà. Après ça, bon, on va finir le sac. Hier, j'ai craqué. J'avais vu un sac qui me plaisait bien. Ça me faisait un peu râler parce qu'il était un peu cher. Parce qu'il était à 40 euros. Enfin, 39,99. Mais la dame me l'a laissé pour 32. Du coup, je me suis pris et c'est le petit sac de fée Clochette. Enfin, c'est un grand bac. On met beaucoup dedans, ceux-là. Vous voyez, c'est... Hop. On voit que c'est grand. Hop, 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 hop. Voilà, il est trop beau, j'adore. Mais le dessin est trop beau. Regardez la belle fée Clochette. Il est trop beau, j'adore. Voilà. Et bien maintenant, on va continuer avec les figurines parce que je vous ai tout montré. Il reste juste les figurines. Je te remets après. Du coup, au premier meeting que j'ai fait, on a fait Disney. Enfin, ça faisait un moment l'année passée, j'avais vu. Bon, je vous ai pas montré. Je vais essayer de pas montrer. Hop, voilà, j'en ai deux comme ça. J'avais vu ce qu'il y a dans la boîte, je vais pas vous dire. Depuis longtemps et mon chéri m'avait dit on le prendra à la fin, on viendra le chercher plus tard et quand je suis retournée pour aller le chercher, il n'avait plus, il était passé sous le nez et ici on l'a vu et du coup on l'a pris directement. Alors je vais vous la sortir de la boîte si j'arrive. Voilà. Il est beau, il n'avait pas vu depuis que je l'ai acheté. Oh, regardez ceci. C'est un petit peu pour ma Saint-Valentin. Un petit peu. Un petit cœur tout mignon. Et ce tigrou, il est trop beau. Mais j'ai peur avec le petit monstre, que je sais pas où il est.
qui me le casse, qui m'a déjà cassé ma fée clochette. Du coup, je râle un petit peu. Mais il est trop chou. J'adore. Il est trop beau. Juste, il faut faire gaffe, la tige du cœur est très fragile. C'est pour ça que je fais attention pour le moment avec le petit monstre. Par contre, je ne traîne pas à remettre dans sa boîte. Hop. Le seul truc que j'aime pas, c'est la frigolite. Voilà. Bon, comme je vous ai dit qu'il y en avait une deuxième, on va commencer par la deuxième. Celle-ci est un peu plus grande. Je ne l'ai pas encore déballée. Je ne savais même pas que j'avais eu un cadeau par mon chéri. Moi, je sais c'est quoi maintenant, mais... Voilà, mais je ne l'ai pas encore sortie. Je ne l'ai pas vue en vrai. Du coup, on va sortir ça et on va essayer de deviner. Hein. Vous l'avez vu déjà avant. Je vous l'ai montré. Enfin, l'item, le personnage est déjà... Je vous les ai déjà montrés. Mettez en commentaire si vous savez. Qu'est-ce que je peux dire d'autre en attendant que je le déballe? C'est un animal. Je sais pas quoi que je peux dire d'autre. Oh merde. La frigolette qui se casse. Il veut même pas sortir de sa boîte. C'est un animal que, enfin c'est un personnage que beaucoup aiment. Ce personnage est fort demandé. Bon. Oh, d'accord, en fait, il est même pas ouvert. Doto, j'ai même pas le scotch. Il est quand même assez grand. Regardez, hop là, le frigolite. Comme on l'avait réservé, elle l'a même pas sorti. Enfin, elle a pas retiré le scotch. Voilà. Bon, moi, j'ai cassé tout la frigolite, mais c'est pas grave. Bon, c'est un peu passé parce que c'est Noël à la base. Mais c'est pas grave. Oh, je suis pleine de frigolite. Enfin, je passe l'aspirateur après. Parce que c'est un item Noël qui emballe des cadeaux. Et c'est Monsieur Stitch. Il est trop chou, j'adore. J'avais craqué dessus. Ça faisait un moment où je dis, mais qu'il est beau celui-là. Oh, qu'il est beau. Oh. Que t'es beau Stitch. Voilà mon petit Stitch. Mon nouveau petit Stitch. Vous voyez, il a son bonnet de Noël. Voilà. Il est trop mignon. Trop beau. Je l'adore. Enfin, tout ce que j'ai, c'est beau. Hein. J'adore. Après, les autres, c'est encore plus mon coup de cœur. Par contre, je sais plus comment il va, lui. Je vais regarder après. Il va m'ennuyer. Alors, j'ai un autre carton là. Voilà. Ah, faut pas que je le mette là. Pas, je crois que là aussi il est marqué. Si je sais pas vous lire, c'est bien. En fait, celui-là, j'avais commencé à acheter. Quand j'étais à Disney, j'avais acheté la première, puis j'ai acheté la deuxième. Et maintenant j'ai acheté la dernière qui me manquait. Il me manquait une. Une seule. Allez viens. C'est celle que mon chat a cassée. Enfin une qui a cassé. Et c'est la seule qui me manquait. La fée clochette bleue. Regardez. Elle est trop belle. Je l'ai la verte, la rouge. Et la rouge, j'ai les ailes qui ont cassé. Mais normalement je sais la recoller. Et maintenant j'ai la bleue. Et ça aussi, j'ai eu de la chance de l'avoir à ce prix. Parce qu'elle est très chère. Il faut rechercher aussi. Et il y avait deux personnes qui la vendaient hier au meeting. Et il y en a un qui la vendait un peu moins cher que l'autre. Et du coup, mon chéri l'a pris directement. Je ne savais même pas. Il me l'avait caché. Mais elle est trop belle.
Trop belle. Et comme ça, je la remets dedans parce qu'avec mon petit chat qui est foufou pour le moment. Non, c'est pas comme ça. Comme ça, normalement. Ouais. Qui est tout foufou. Il casse tout alors. Et alors, il m'en restera une figurine à vous montrer. La dernière figurine. Hop. La plus... la plus chère de tous. Non, non. Quand même. Là, je vais pas vous montrer trop la boîte. Mais vous allez voir, voilà. C'est une... assez spécial, je vous cache comme ça vous voyez pas, vous voyez juste la marque, voilà, et je suis contente de la voir, voilà, elle est trop belle quand je la regarde. Et c'est là je vais attendre de me prendre une verrière pour la mettre dedans, parce que celle là j'y tiens comme mon bébé. C'est pas les mêmes que les autres, c'est pour ça aussi je dis ça. Voilà, et je vous l'avais déjà montré une comme ça il n'y a pas si longtemps que ça. Dans mes achats de brocante, je crois. Elle est trop belle. Il y a du... comment on fait encore, Bim? C'est de la porcelaine c'est... nacrée. C'est de la porcelaine nacrée avec de l'or, c'est ça t'as dit? Oui. De l'or sur les ailes. Je sais pas si vous allez voir les ailes. Voilà les ailes. On voit un petit peu. Pas fort. C'est compliqué à vous montrer. Voilà. On voit un petit peu l'argenté. Elle est trop belle. Mais cela, elle casse tellement vite que mon petit démon me casserait tout. Alors, pour le moment, je vais attendre de me trouver une belle verrière. Pour la mettre, j'ai pas vu le petit mousse qui allait pour protéger les ailes. Hop. Voilà. Et voilà pour cette vidéo assez longue cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, mettre un petit commentaire, surtout ça me fait plaisir, de me dire quel item vous préférez dans tout ce que je vous ai montré dans mes achats de février. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo que je vais retourner juste après, c'est pour ça que vous aurez peut-être même ma tête quelques jours après, mais c'est pas grave. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye tout le monde.